Chers enfants, tandis que je vous regarde, vous qui aimez mon Fils, mon cœur s'emplit de tendresse. Je vous bénis de ma bénédiction maternelle. De ma bénédiction maternelle, je bénis aussi vos bergers, vous qui prononcez les paroles de mon Fils, vous qui bénissez avec ses mains et qui l'aimez au point d'accomplir avec joie tout sacrifice pour lui. Vous, suivez mon Fils qui a été le premier berger et le premier missionnaire. Mes enfants, apôtres de mon amour, vivre et œuvrer pour les autres, pour tous ceux que vous aimez en mon Fils, cela est joie et consolation en cette vie terrestre. Si le royaume de Dieu est dans vos cœurs à travers la prière, l'amour et le sacrifice, alors votre vie est joyeuse et sereine. Pour ceux qui aiment mon Fils et qui s'aiment mutuellement en lui, les paroles ne sont pas nécessaires. Il suffit d'un regard pour entendre les paroles non prononcées et les sentiments non exprimés. Là où règne l'amour, le temps ne compte plus. Nous sommes avec vous. Mon Fils vous connaît et vous aime. L'amour est ce qui vous mène à moi et, par cet amour, je viendrai à vous et vous parlerai des œuvres du salut. Je désire que tous mes enfants aient la foi et ressentent mon amour maternel qui les mène à Jésus. C'est pourquoi vous, mes enfants, comme apôtres de l'amour, où que vous alliez, soyez lumière d'amour et de foi. Je vous remercie.